Allo tout le monde, voici Sharp.mc. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Insane Aquarium. Moi je vais faire ce jeu là pour faire découvrir un jeu. Je ne sais pas en quelle année j'ai pas fait de recherche et tout ça. Mais c'est quand même un vieux jeu qui se jouait sur Windows XP. Qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est simple, je vais vous montrer un peu. Faut nourrir les poissons, on a juste à faire. Mais non. Hein, vous êtes sûrement en train de vous dire que je suis en train de vous montrer un jeu cool. Je suis sûr et certain que ce que j'ai est vrai. Sachez que ce jeu n'est absolument pas pourri. Hey. Merci. Et je vais vous le prouver. Parce que ce jeu, c'est du défi. Bon, au début, c'est facile comme n'importe quel jeu. Mais plus qu'on avance, plus c'est difficile. On a le choix aussi. Il y a 4 mondes. Il y a le premier monde où je suis dans un aquarium avec un scaphandre et tout. L'autre où t'es comme. Je sais pas comment dire ça dans nos places. Ici t'es comme en Chine, puis ici t'es comme au fin fond de la mer. Ça c'est une course contre le temps. Tu ramasses plus de sous en moins de temps. Et t'as le challenge. J'ai pas encore complété ceci. Parce que pour compléter ceci, faut que je réussisse celle-là. Mais c'est difficile. J'ai pas tenté celle-là encore, mais c'est pas facile. Parce que nous allons faire ceci. Ce que je vais choisir quand même assez stratégique. Ceci va donner. Ceci va nous être utile. Je vais dupliquer celle-là. Parce que ça va bien nous être utile aussi. J'hésite entre ça et ça. Mais moi je vais aller avec ceci. Allons-y. Le but c'est simple, c'est de les nourrir. Mais la difficulté, vous voyez tout ça? Absolument, pour débloquer celui-là, il faut que ce soit à cette grosseur-là. Pour débloquer davantage, il faut que ce soit encore un peu plus gros. Et pour pouvoir débloquer celui-là, il faut acheter ceci pour débloquer le restant. Mais c'est peut-être ce jeu-là qui en fait juste nourrir. Je vais le voir que la difficulté va arriver assez rapidement. Puis, en plus, on a une autre difficulté. C'est ceci. Vous voyez, les prix augmentent au fur et à mesure. Ça, c'est une autre difficulté. Faire attention quand même à nos dépenses. On peut voir que je sais que les monstres arrivent à cause de la musique. Voilà, je savais que les monstres arrivaient. Là c'est beau, actuellement c'est pas mieux qu'on le voit en partant, c'est dans ton jeu. Mais lui c'est le deuxième que vous voyez. En ce moment je compte acheter ceci. Pourquoi? Absolument c'est 1400. Pourquoi acheter lui tout de suite? Simplement parce que lui il donne des diamants. Et des diamants au moins ça va être plus rentable. Yes! Lui qu'est-ce qu'il mange? C'est simple, c'est des poissons. Des petits poissons. Ce qui manque. Là, ça va aller beaucoup plus vite, surtout avec. Avec les des diamants. Là, il y en a deux. C'est le départ. Lui, c'est l'autre, le bleu, c'est le premier qu'on peut obtenir. Voilà. Sans trop de difficultés.
Avec sa main de là, vu qu'on a ça, c'est prendre le plus de poissons possible. Comme ça, si eux autres meurent, pas grave. T'en as toujours. Comme ça, tu peux survivre, puis tu peux. Sauf par contre, on entend quand on veut avoir eux autres. Puis donne des diamants. Et ça, faut pas oublier. Ok, je prends un petit peu. Mais la difficulté avec en plus ceci, c'est qu'on peut en avoir 4, 6, 8, on peut en avoir énormément de monstres. C'est incroyable. Puis exemple, trop de chocs. On s'entend que l'œuf monte de plus en plus. C'est-à-dire ça vient de plus en plus cher. On va en prendre. De toute façon, on a les moyens. C'est pas encore à 2000. Faut quand même garder de l'argent parce que. On a des œufs. Ah bon. Qu'est-ce qui donne les œufs? C'est simple. Exemple. Le dauphin vient d'un œuf, la baleine vient d'un œuf, l'huître vient d'un œuf, ils tous d'œuf. Du coup, il m'a pas encore dit. C'est facile, donc facile que je pensais. Vous, ça a pris du temps avant que. Oh, quand je dis du temps, c'est il y a plusieurs années que je jouais à ça, puis j'avais. Je suis pas capable de. Puis récemment, j'ai recommencé à jouer à ça, puis. Je suis bien meilleur qu'avant. C'est un jeu quand même assez relax. Je peux jouer des heures et des heures. Voilà, le premier est fait. Ah, vous voyez, il y a avec un seul qui apparaissait. Yeah, j'ai tout contrôlé. Avec un seul qui fond. C'est normal que ça fasse ça. Même à un moment donné, je regarde. Même à un moment donné, il en montrait deux. Puis il y en avait pas deux, il y en avait quatre. Ou encore 6. On montre pas ça. On montre moins. L'aventure là c'est quand même relativement facile. Mais encore là, on peut penser que c'est facile, mais les monstres augmentent. Ça devient plus en plus difficile. C'est pas. Dans celui-là, c'est pas. C'est pas ça qui est difficile, c'est les monstres qui sont difficiles. Moi je savais parce que c'est à cause de la musique. Il y a des possibilités que ça soit deux. Voyage. Vous voyez ce que je disais, je vais contrôler dès le début. Vous voyez qu'est-ce que je disais? Il en montrait qu'un seul, mais il n'y en avait pas un seul, il y en avait deux. Là tout revient à zéro, qu'est-ce qui est bien? On va même en. On va en profiter un peu. C'est dommage que aujourd'hui, dans cette vidéo-là, que je ne peux pas vous montrer vraiment la vérité. C'est vraiment dommage. Parce que. Je suis sûr que vous, si vous regardez ça, vous trouverez ça. Oh, c'est bien facile. Et je vous dis que c'est pas le tout. Mais honnêtement, j'adore ça. Ah oui! Je vous ai pas dit ça! Quand un poisson ça fait assez longtemps qu'il est là, il devient une reine. Puis que la reine, c'est la reine, différence des autres poissons, c'est que la reine. Elle donne des diamants! Je peux
Faut m'en donner plus que ça de monstres. 4. Faut m'en donner 4. C'est facile. Vous voyez qu'avec les diamants, ça va beaucoup plus vite. Ok. Je sens le 3. Je sens le 3. Déçu. Non. Non. Non, attends. C'est pas chiant. Bon, je tente pas de... On peut voir que vous avez 2000. Peu importe ce que vous faites. Je vais vous montrer avec le chronomètre. Ceci, c'est les blancs que vous parlez. Les gros, comme je les surnomme. Ici, comme que vous voyez... On sait pas ce qu'est-ce qui va apparaître. Ça apparaît ceci, là, l'arrêt, qui fait repousser les sous, simplement. Lui, qu'est-ce qu'il donne? C'est des coffres. Les coffres de vos chars. Moi, ma stratégie, c'est simple. J'attends toujours d'en avoir assez pour au moins deux comme ça. Oui. Parce que j'en achète un. Faut que il mange ça. J'en achète un. Lui, il se nourrit des rouges. Puis pourquoi avoir 10 000? Parce que en même temps, si. Je peux vous dire, dans ce niveau-là, c'est pas facile parce qu'il y a des squelettes, c'est sûr. Ils sont difficiles à tuer et à maîtriser. Assez difficile. Alors, quand ils mangent ça, on est fâché ou frustré, peu importe. Puis, je m'arrange toujours de pouvoir en racheter parce que c'est très rentable. Après ça, j'en ajoute 2, 3, 4, 5, 6. J'arrête, je me limite à 6. Mais sinon, bon, c'est juste pour vous montrer. Je vais partir. Bon, c'était juste pour vous montrer, mais je vais y jouer pour de vrai. Alors pour ça, ça va être déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et comme vous pouvez voir, là j'ai ça. Les flèches, elles disent qu'ils ont faim! C'est pas formidable avant que ce soit hiver. Hein? Ou de faire ça, étant donné, puis on sait pas s'il y a faim ou non. C'est pas formidable. Et aussi la difficulté de ce niveau-là. Et que vu qu'il y a ces poissons-là, t'as pas les petits poissons. Là, c'est correct parce qu'il va faire un nouveau poisson. Mais quand t'as juste ça, puis t'as pas beaucoup d'argent, là. Difficile, tu peux pas faire ce que tu veux. La difficulté vient là. Cause pour débloquer ceci, faut que ton poisson devienne plus gros. Puis pas cette taille-là, l'autre taille. Pour débloquer pour celle-là, faut que ce soit plus gros. Puis encore plus gros pour débloquer ceux-là. Pour débloquer le reste, il faut acheter ceci. C'est ça qui vient difficile. Allons. Alors pour ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que je vous ai fait une découverte que peut-être que vous ne connaissiez pas, parce que me semble, je suis sûr qu'il n'y en a pas grand monde qui connaît ça. Voici le fameux squelette. Difficile à maîtriser. Il peut manger, pour vous dire. Il m'en a mangé ou quoi? Ah non. Oui. Non. Il m'en a pas mangé. J'ai peur. Il peut manger des deux sangs. Ça paraît facile, mais c'est l'est pas. Il y en a une que ça prend du temps avant de l'avoir, c'est une pieuvre dans l'autre. Dans l'autre aquarium avant. Il est pas facile. Si tu connais pas la technique, là. Bonne chance! Ah pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore aller visiter mon site déterminé dans le lien et sur la bannière de ma chaîne YouTube. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Honnêtement, je suis bien content d'avoir fait cette vidéo, pour avoir fait même une découverte. Je cherchais quoi faire, là, je ne tente pas de faire trop beau tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur ça. Et ouais. Ah pour ça je vous dis merci à tous.